Elisabeth II, son testament scellé pendant 90 ans, à cause d'un scandale sexuel. Des dispositions très spéciales ont été prises pour que le testament d'Elisabeth II ne soit pas divulgué pendant près d'un siècle. Le 8 septembre 2022, Elisabeth II rendait l'âme à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en Écosse. Elle avait fait ses adieux à son mari, Philip Mountbatten, un an plus tôt. Mort à quelques mois de fêter 100e son anniversaire, le duc d'Édimbourg s'était chargé lui-même de son testament et de celui de son épouse. Le geste avait d'autant surpris les commentateurs royaux que la tâche aurait dû échoir à Paul Wybrew, alias Talpol, plus proche serviteur de la couronne, aujourd'hui en charge de la gestion administrative de la défunte reine. Les curieux devront cependant attendre 90 ans pour découvrir les éventuels secrets cachés dans le précieux document. Une tradition séculaire instaurée au début du XXe siècle suite à un scandale sexuel qui avait entaché la famille royale. L'affaire remonte à la mort du prince François de Teck à l'âge de 39 ans, en 1910. Connu pour ses frasques sexuelles, le frère de la reine Mary avait légué les émeraudes Cambridge, des bijoux de famille d'une valeur inestimable, à l'une de ses maîtresses, Hélène Constance. Craignant que le scandale n'éclate, la souveraine avait racheté le somptueux héritage à la comtesse pour les porter lors du couronnement de son mari George V en 1911. Une transaction effectuée dans le plus secret alors qu'elle s'était arrangée pour faire sceller le testament de son frère. Les fameux Cambridge Emeralds ont depuis été portés par Elisabeth II et sa belle-fille, la regrettée Lady Diana. Le testament de la mère de Harry et William a d'ailleurs été le seul à avoir été rendu public après sa mort dans un accident de voiture le 31 août 1997. Que pourrait contenir le testament d'Elisabeth II? Difficile de répondre clairement à la question d'ici les 90 prochains secrets. Du moins tant que Buckingham Palace décide de préserver la dignité de la défunte reine. En revanche, les informations au sujet de son héritage ne manquent pas. Selon nos confrères britanniques du Sunday Times, la fortune personnelle de la mère de Charles III serait estimée 370 millions de livres, soit l'équivalent de plus de 400 millions d'euros. Les biens appartenant à la couronne britannique s'élèveraient quant à eux à 28 milliards d'euros. Un patrimoine que Elisabeth II ne détenait cependant pas à titre personnel. C'est aujourd'hui son fils, l'héritier du trône, qui en a la jouissance. Il s'agit notamment de Buckingham Palace, d'une collection de milliers de bijoux et d'œuvres d'art ou encore des joyaux de la couronne.